Salut tout le monde, comment ça va? Beaucoup bien, moi ça va bien. Là franchement, vous direz qu'il est quelle heure? Fait des bruits en fond de vidéo électrique. Dites-moi en commentaire. Je vous donnerai la réponse après. Voilà. Mec, trop drôle. La blague était drôle. Hein. Non, plus sérieusement. On est samedi 3, 4. On est dehors. Il est bientôt midi. On dirait qu'il est 19h. Et du coup, on est sorti pour refaire un autre shooting. Wouh! Pour du coup refaire un peu quelques photos parce que voilà, on n'a pas été vraiment satisfait de ce qu'on avait fait la première fois. Je mettrai un petit astérix sur le chat parce que c'est celle qui est concernée. Et maintenant, une deuxième fois, comme elle marche assez vite, il devait faire beau la skip aujourd'hui. Vous voyez, il ne fait bon. Voilà. Vous allez voir comme Meji aussi est en train de souffrir avec ses fouades. Mais voilà, du coup je vous tiendrai au courant, mais je pense que je vais moins filmer le shooting. Parce que ça va être. Enfin plus filmer le shooting, je veux dire. Parce que ça va être cool. J'allais dire ça va être chiant. Je suis en... Bref, on sera au courant. C'est l'heure. Hein. On est en territoire inconnu là. Je sais pas où je suis. Je crois que c'est quoi ici? Il fait trop froid, putain. Et moi, je suis encore en t-shirt dehors. Beaucoup de touristes hein, samedi, hein. C'est incroyable. En tout cas, force à moi. Parce que là, c'est chaud là. Ouais. Ah, c'est franchement, c'était hard l'équipe. Là, on est, c'est peuplé là, c'est peuplé. Je suis choqué. Le monde de classe. Le monde de classe. Et qui est de Novaraf, producteur, rappeur, chanteur, il fait tout. Donc, je vous mettrai son, je vous mettrai ces trucs dans ces réseaux sur les réseaux sur la description. Allez voir, très intéressant. Il taffe de malade en plus. Sinon, shooting là, intéressant, on change. It was at this moment that he knew he fucked up. Tu l'as en vidéo? Tu l'as en vidéo? Méchant! Je reviens après, on va finir après là. Donc comme vous avez vu, je suis tombé. La vie est dure. J'ai mal à la main, je crois que je me suis fait une entorse. Mais bref, du coup là on est à Galerie Lafayette. Ça se voit assez bien. Hein? Tombe pas dans cette vidéo. Ouais, non, je vais essayer. Tu peux. Mais en fait, c'est ma caméra, elle est comme ça. J'ai très très prêt. Tu étais prêt, tu étais prêt. Tu viens de Marseille? Ah ouais? Je m'en fous. Allez, avance plus vite, s'il te plaît, que t'es bloqué là. Comment j'ai fait? Ah, c'est dur là. Et là, on va essayer d'aller sur le toit. Je sais pas si on va réussir, mais. Ça va être. Yes. Je vous tiens en courant de toute façon là, on arrive tout de suite. Voilà, il y a une équipe, elle est pas sérieuse ma gueule. Elle est pas sérieuse. On a Galerie Lafayette là sur le toit. Vous pouvez le voir. Ouais, je suis tombé tout à l'heure. Là ça se passe bien franchement. Mais ça va les photos que du coup les deux photos. Mehdi et Donovan elles sont carrées de fou. Donc je suis content. Non, on a réussi le coup là. Du coup voilà, pour dire on est samedi 4 du coup. Donc ouais. Je vous tiens au courant et je vous laisse avec cette petite. Heureux. Je suis en pleine marche. Il est bientôt 23h là, on est toujours samedi. Et voilà, on a fini le shooting. De toute façon je pense que je mettrai les petits extraits de photos, ou je vous inviterai à aller directement sur le site, sur l'Instagram du compte pour voir si j'ai pas des vidéos qualitatives, dans tous les cas. Mais en tout cas, cool, c'était archi cool. On a eu du monde qui est venu, du nouveau monde en plus. Donc, du coup, on a pu poser avec des nouvelles personnes, c'est cool. En plus, c'était bien, bon, franchement, on a bien rigolé. Donc, c'est important. C'est important parce que je suis une photo. Faut que les mannequins ils se mettent, enfin les modèles ils se mettent à l'aise. Faut qu'ils se sentent à l'aise avec déjà juste avec le produit et avec nous aussi, du coup avec l'équipe, pour qu'on puisse si voilà quoi.
avoir de bons clichés, tu vois. Donc voilà, je ressors d'une journée fatigante, parce qu'on y est depuis ce matin. Moi, je viens juste de rentrer dans la ville. Mais franchement, je suis épanoui du travail qu'on a fait, franchement. Genre là, pour moi, ça, c'est le travail le plus qualitatif qu'on aurait pu faire depuis. Et voilà. Voilà, voilà. Du coup, là, je me dirige chez Fancy. Du coup, Fancy, c'est du coup, mon gars qui fait les sons d'intro que je mets dans les vidéos. Donc, allez streamer. De toute façon, je vous mets tout en description, comme d'habitude. Voilà. Là, c'était son birthday, donc il fait une petite soirée. Donc, je me dirige là-bas. Et voilà. Du coup, moi, je vous laisse sur ça pour l'instant. Faites balèque à vous. De toute façon, je suis en courant assez rapidement. En espérant que la vidéo vous plaise. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, avec pour les améliorations, les trucs à faire, les trucs à pas faire, etc. Parce que voilà, on est toujours là. On est débutants, mais on essaie de viser le high ground. Donc voilà. Belle à vous, faites attention. Passez une bonne journée, une bonne soirée et on se fait au jeu. Hein. Wesh les gens, ça dit quoi? Là, je vous fais suite du coup au shooting qu'on a fait le samedi. Là, on est une semaine après. J'ai pas eu le temps de trop filmer. Attendez, je vais vous poser. Ouais, du coup, je disais, j'ai pas eu le temps de trop filmer parce que c'était compliqué avec le taf, etc. Bah, comme vous savez, de toute façon. Et voilà. On a eu pris du temps à faire les retouches, à choisir les bonnes photos, etc. Mais là, non, ça devrait pas tarder. Donc, je vous invite à venir sur leur Insta, comme d'hab. Des photos de ouf, franchement là le shooting qu'on a fait, je crois que c'est celui qu'on a fait le mieux, genre on a été le plus satisfait, c'était le plus complet qu'on ait fait pour l'instant. Et voilà, en sachant que là en mars on va fêter un an de la marque, du coup je pense qu'on va peut-être faire un petit truc, genre un jeu concours ou je sais pas. Mais en tout cas nous on va fêter ça comme il faut, parce que du coup c'est quand même quelque chose hein. C'est à fêter parce que ça a quand même un peu changé ma vie entre guillemets. Donc voilà. Sinon moi je vous tiens au courant de ce qui suit. Là on a plein de trucs avec Mehdi, on a commencé à gérer un resto d'un mec qu'on connaît. Du coup je vous invite aussi à aller sur le Instagram, TikTok, etc. Je vous le mettrai dans la description ici. C'est le Macao Café, il est situé à Créteil. Donc allez donner de la force, c'est important aussi pour nous. Et voilà, du coup chargé de travail, mais bon on fait comme on peut. Oh. Chargé de travail mais on fait comme on peut. Et voilà, niveau jeu tout ça, j'ai acheté Hogwarts Legacy en précommande, 85€, ça pique. Mais voilà, sinon tout se passe bien, je l'ai fini en 2 jours, voilà. Rentabilisation 0. Mais voilà, là je pense que je vais essayer de voir si je peux pas tester les plusieurs maisons, parce que j'ai été choisi pour aller chez Gryffondor. Gryffondor. You know what I'm saying? Et voilà, du coup franchement le jeu il est énervé de fou. Je sais pas si vous l'avez testé, mais si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous savez déjà. Et voilà. Donc moi je vous laisse sur ça pour l'instant, je sais pas ce qui va suivre. Parce que je sais que j'ai pas beaucoup filmé, mais voilà. Je pense que peut-être je vous embarquerai avec moi et Mehdi quand on va faire les photos pour le resto à Créteil. Parce que je pense que c'est aussi intéressant de montrer ce qu'on fait là-bas. Et voilà, sinon on approche bientôt de la Saint-Valentin, même si on s'en fout un peu. Mon anniversaire mercredi 15, je pense que la vidéo sera peut-être pas encore sorti, je pense, mais longue vie à moi en avance et en retard en même temps. Et bah voilà, souhaitez-moi bon anniversaire en commentaire, faites-moi des cadeaux et voilà. Sinon voilà, la vie est belle, faites belle avec à vous, on se tient au courant, je vous laisse avec la suite, c'est parti. C'est qui l'équipe? Du coup je vous explique le contexte. Je sais même pas si c'est juste le truc, mais du coup on a repris du service Mehdi et moi, dans le sens où on était comme team manager à l'ancienne, donc on gérait les réseaux sociaux des restaurants, etc. Du coup là, vu que on a une personne qu'on connaît qui a ouvert un restaurant, il a ouvert un restaurant, on va dire ça, pour faire plus rapide. Il nous a demandé de gérer ses réseaux sociaux. Et du coup là, ça va faire quoi, peut-être 2 semaines, je pense, 2-3 semaines qu'on tape dessus là.
Donc on est parti, je pense, une bonne. On est parti peut-être. Nous avec Mehdi deux fois du coup, mais moi je suis parti 3-4 fois déjà. Et voilà. Du coup, on est en train de taper sur les photos, on est retouché sur les voir dire ça. Et c'est la première fois, tout va bien. La première fois qu'on arrive à travailler entre guillemets plus professionnellement avec le logiciel d'ordi, parce que du coup on n'en avait pas avant. Et c'est là où on voit l'évolution du truc en fait, parce que avant c'était fait avec les applis qu'on avait sur le téléphone, tu vois. Et c'était satisfaisant. Mais ouais. Après ouais. Mais voilà, du coup, comme je vous ai dit, de toute façon, je pense que je l'ai déjà dit avant, mais je vous mettrai les réseaux quand même du resto, TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à me faire follow, parce que c'est important quand même aussi, ça nous aide nous, et ça aussi, ça aide aussi le restaurant. Et voilà, de toute façon, il y a un large choix de produits en Vélier, Macao Café, Créteil, je vous enverrai l'adresse. Et voilà, donc ouais, là on est en train de travailler dessus, et de toute façon, je pense que je vais mettre une petite vidéo, on est en train accélérer. De... Ouais, accélérer, etc. Et ouais, je vais mettre une petite vidéo accélérée des retouches qu'on a fait, etc. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, on n'est pas, hein, pas des pros, mais on apprend. On apprend et on évolue. Donc voilà. Bref, moi je laisse ça pour l'instant. Je sais pas si la vidéo se finit là, je sais pas quand ça se finit, mais bref. Ah ouais, ça par contre c'est impeccable. Hein. Rien à dire. Stop. Je veux lâcher. On m'appelle Jésus. Oh pardon, excusez-moi. Je veux dire, ça dit quoi les gens, tranquille ou quoi? Je suis essoufflé là, je suis en train de marcher à mort. Je veux dire. Ouais, du coup, ce qui suivait, on est parti au cinéma avec deux potes à moi pour regarder Ant-Man. Et franchement, si je dois donner une note sur 20, un 12,5 franchement, 12,5, 13. Parce que voilà quoi. Arrête, je suis pas non plus le plus grand fan de Marvel, etc. Mais je m'attendais à un peu mieux. Arrête, je me dis, bon, sans spoiler, le méchant, je pense qu'il se fait pas sur un seul film, il se fait sur plusieurs films, comme on dit. Donc en espérant que le... Parce qu'en fait, je trouve que... Excusez-moi, je vous fais un petit... une petite critique à chaud de ce que j'ai vu, là. Ça, c'était hier, du coup. Mais ouais, franchement... je sais pas, en fait, j'ai l'impression que depuis que Endgame, tout ça s'est passé, que ça soit les séries comme les films, hein, je trouve, ils ont pas. Ils prennent une tournure un peu comédie, sans forcément qu'il y ait franchement un truc intéressant. À part. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, on se concentre plus, et dites-moi si je me trompe, à regarder les post-crédits, là, les bandes-annonces d'après le film, genre. Les post-crédits, ouais, post-crédits, du coup, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est là où genre ça va vraiment utiliser ce qui va arriver. Excusez-moi, je suis malade à mort là. C'est pas marqué tout le temps, je suis malade. Je tombe tout le temps malade. C'est incroyable. Et vous allez me dire, ouais, mais tu trouves pas que c'est pas ça. J'ai juré, les enfants là au taf là, ils me. Non, la dernière fois, il m'a parlé. Déjà, il m'a traité de bougnoule, je savais pas comment réagir. Des fois, je savais pas. Je sais pas comment réagir à une situation, je me fiche. Je bouge plus, carrément, je fais, oh. Je le racamasse. Je sais pas si je dois l'attraper là ou je sais pas, enfin bref. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est les gosses à chaque fois ils me touchent, je sais pas, des fois il y a des gosses ils sont trop tactiles. Des fois ils me touchent la bouche, ils mettent leurs doigts sur ma tête, tout. Là, c'est des gosses, ils ont entre 6 et 10 ans, frère, quand même. Enfin bref. Sinon, normalement la vidéo devrait sortir. Dans la semaine avant le week-end du 24 février. Du coup, mon anniversaire est passé. Happy birthday to me. Thank you. 23 ans, je me sens vieux. Mais bon, c'est le moment là. Faut qu'on agisse. Faut qu'on avance là. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas si. Ouais, je pense que je vais finir sur ça parce que ça fait quand même beaucoup, je pense. Après, voilà. Je sais que là, j'ai commencé à faire le montage un peu de la vidéo. Donc je le fais. Pendant le montage, on va dire ce petit enregistrement là, mais ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de... là je trouve que cette vidéo là, j'aime bien comment elle est, mais il y a beaucoup de trucs que j'aurais pu montrer que j'ai pas montré, et ça c'est un problème d'organisation et de timing, dans le sens où bah, par exemple les vidéos du shooting que vous avez vu avant,
sachant que j'étais modèle, donc voilà, j'étais beaucoup sur le terrain. J'ai pas pu me mettre à filmer ou demander à quelqu'un de filmer parce que c'est vrai que tout le monde était occupé. Et généralement, je devais demander à Medjid de me filmer, mais vu que lui c'était le photographe, c'était un peu compliqué. Mais bon, nous on se prépare, là je suis en vacances là. Ce week-end, je vais à Bruxelles avec des potos. J'espère que ça va être bien. Et je pense que je filmerai là-bas. Ça sera la vidéo, je pense, d'après. Donc voilà. Moi, je vais chez mon copain. Faites attention à vous. Belek, restez pas seul. On se tient au courant.